Bonjour Laurence, bonjour à tout le monde sur le plateau. Alors ce matin, je suis en très bonne compagnie. Je suis avec le club d'escrime de béton et plus spécialement Morgan. Bonjour Morgan. Bonjour Billy. Tu vas bien ? Très bien. Bon, alors je suis ici aujourd'hui avec tous les garçons. On est là pour découvrir l'escrime. Alors raconte-nous un petit peu à béton, là, comment ça se passe l'escrime, pardon. À quel âge on peut commencer ? Alors ici, tu es dans un club spécialisé dans le sabre. On fait du sabre depuis des années. Il y a à peu près 180 tireurs qui regroupent Béton, Saint-Grégoire et Chevenier. D'accord. On s'entraîne depuis des années. Tous les enfants qui sont avec nous aujourd'hui sont ici depuis pas mal de temps. Ils ont déjà un beau palmarès. Ça va un bon niveau. Un bon niveau. Hein. Ils ont les meilleurs résultats régionaux et même un titre de champion de France cette année. Donc, attention, là, il y a du lourd. Il y a du lourd sur le dossier. Voilà. Et puis en même temps, voilà, je voulais te présenter les armes. Parce que tu vois, l'arme que tu as dans la main, c'est le sabre. Et c'est ce que tu vas essayer de faire aujourd'hui. Et les autres épées, là ? Alors ça, c'est le fleuret. Alors le fleuret, la règle du jeu, eh bien, est de toucher avec la pointe. D'accord. Et de toucher que la poitrine et le ventre. Okay. Voilà, c'est le fleuret. Et l'épée de Laura Flessel, l'épée de D'Artagnan, eh bien, il n'y a pas de règle. Tu peux toucher tout le corps de ton adversaire à la pointe de ton épée. Et tout avec, est valable. Avec le sabre, là. Alors voilà, attention, au sabre, il ne faut pas toucher avec la pointe du sabre. Comme tu le remarques, la pointe, elle n'est pas protégée. D'accord. Mais tu pourras quand même toucher toute la surface du haut du corps à partir de la ceinture. Bon. Donc, tu as beaucoup de place quand même pour placer tes actions d'attaque, entre autres. Donc là, moi, je suis en place. J'ai juste à échanger de tenue parce que là, je n'ai pas la tenue qu'il faut. On va se retrouver tout à l'heure. Je serai en tenue et avec les garçons, on va faire un truc super. Allez, à tout à l'heure.